Good morgen, allez, Iden, et tu seras aujourd'hui les Lunishmat, mon Rabbi Shmuel ben Shlomo Zaman, Shalom Binyamin ben Mazal, Rachel Rachel Batsara, ainsi que leur frère Rafael Solon ben Haimania, Mariam Batrasila Dov ben Yudit, et Sarah Bat Betiruka Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah connectée à la sécurité éternelle, nous étudions le Sechet Rolit, Parikret, Mishnah Hey, Keivat Nochri, Veshen Nevela, un réseau à Souva, Amamid Beor, Shel Keiva, Kshera, אם יש בנותן טעם, הרי זו אסורה. כשרה שענקה מן הטרפה, כבתה אסורה. טרפה שענקה מן הטרפה, כשרה, כבתה מותרת. מפני שכנוס במאה. On va parler dans notre Mishnah de la manière de faire du fromage à partir de ce qu'on appelle aujourd'hui la prisette. On va expliquer un petit peu mieux comment ça se passe. Il y a, vous savez bien que le fromage, ça s'obtient en faisant fermenter du lait. Et quand ça va fermenter, il va y avoir la... le lait compact, comme ça s'appelle, la matière lactée qui va monter en haut, et le petit lait en fait qui va tomber vers le bas, pour pouvoir bien séparer la matière lactée du petit lait, alors on utilise des produits. On peut mettre du citron, ça marche pas mal, mais il y a quelque chose de beaucoup plus, il faut mettre des produits acides. Quand on va mettre de l'acidité dans le lait, alors ça va faire que ça va naturellement ça va se séparer, d'accord? Principe simple. Mettez même du vinaigre dans du lait, vous allez voir tout de suite la réaction immédiate que ça va faire, ça va tout de suite vous décomposer le lait. Ça va faire du fromage, du yaourt en haut. Pour maintenant, bien sûr, j'ai dit qu'on peut utiliser du citron, on peut utiliser du vinaigre. Le problème, c'est que ça laisse du goût, et c'est que c'est pas non plus, c'est pas... non, ça marche, mais c'est pas extra. Ça fait pas une belle... D'accord ? Il y a maintenant une solution qu'on utilise, c'est d'utiliser l'acidité qui se trouve naturellement dans l'estomac. D'accord? Il y a deux solutions, deux manières de procéder. Maintenant, on va prendre un estomac d'animal. Alors, il y a deux solutions. Soit on va prendre le contenu de l'estomac lorsqu'on égorge l'animal. Imaginez, on va prendre un petit veau qui vient de boire du lait. Et donc le lait, il est déjà arrivé dans l'estomac. Il a commencé maintenant là-bas à fermenter. Et dès qu'on va tuer le veau, on veut lui faire la shrita, on va récupérer ce petit lait là, qui est à l'intérieur de son ventre, et là, on a un super produit qui va faire fermenter tous les laits très violemment. Et encore une autre solution, c'est de prendre tout simplement un estomac d'animal, on va le vider, on va le nettoyer, bien sûr, mais il y a naturellement une acidité bien forte là-dedans. Dès qu'on va mettre du lait dedans, le lait qu'on va mettre dedans, il va cailler. D'accord? Il va cailler, donc il va se séparer, et puis comme ça, on va pouvoir fabriquer le fromage. À notre époque, on procède selon le même principe, mais un peu autrement. On utilise aujourd'hui ce qu'on appelle la prisette. Je ne sais pas exactement de quelle partie, mais c'est toujours lié par rapport à l'estomac, l'acidité de l'estomac. On extrait là-bas quelque chose, on le transforme ça en poudre, et on le met dans le lait il va fermenter, grâce à la prisette. Ok ? Dans notre Mishnah maintenant, vous comprenez bien que c'était le moyen de l'époque, hein, de faire avec le contenu de l'estomac, le vomi qu'on pouvait trouver dans l'estomac. C'était le moyen de l'époque, ça marchait bien, on le faisait, mais il y avait des problèmes de bassar bechalav éventuellement, justement, qui vont être traités dans le Mishnah. Pourquoi? Si l'estomac c'est de la viande, et le lait c'est du lait bien sûr, donc le lait et la viande, un qui donne du goût dans l'autre, il y a un problème de bassar bechalav en théorie. Ça va être un peu le sujet de notre Mishnah, et on va commencer tout doucement avec d'abord un keivat nochri veshel nevela. Littéralement, un estomac d'un goy. Et un estomac d'une nevela, d'un cadavre, mais c'est pas vrai. On parle de la keva d'un animal de goy qui a été égorgé par un animal, qui a été battu par un animal. Donc, un animal qui n'est pas kasher, et qui est donc nevela. Veshel nevela, il faut le lire ensemble. Kevat nochri, sheu nevela. Arezo asura, maintenant. Il faut distinguer dans la Mishnah, il y a l'expression keiva, et l'expression or shel keiva. Là, on va parler de or shel keiva, alors ça va être le système de faire le fromage en faisant entrer le lait dans l'estomac, nettoyer. À la différence de lorsqu'on utilise le mot keivat nochri, la keiva, l'estomac de l'animal du nochri, du goy, regardez le pardon, le bartenderev expliqué, chalav karush shemetor hakeiva. On parle plutôt du lait qui est déjà décomposé, qui se trouve dans l'estomac lui-même lorsqu'on abat l'animal. Donc maintenant, on revient sur les mots maintenant de la Mishnah. Keivat nochri sheveshel nevela. Areizo asura. Le contenu de ce qui se trouve dans l'estomac d'un animal qui a été abattu par un goy,
Alors, à raison sera, c'est-à-dire, si j'abats un veau, si un goy abat un veau, il a fait même la shrita, mais le chef du goy qui a fait la shrita, ça prend le statut de shrita. Donc, de notre point de vue, c'est une nevela. Imaginez maintenant que je vais prendre, je trouve du petit lait qui se trouve dans son estomac, je vais l'utiliser pour faire fermenter mon lait, eh bien, je transgresse en cela, tel que c'est écrit dans la Mishnah pour le moment, je transgresse un issour. Pourquoi? Tel que la Mishnah le présente, et ce sera faux pour la halakha, en tout cas comme ça la Mishnah l'exprime, c'est que le petit lait que j'ai récupéré qui était dans l'estomac du veau cadavre, mal pas abattu avec la shrita, eh bien ce petit lait, il est assour pour, il assoit la consommation, donc je n'aurai pas le droit, interdit à la consommation, donc je n'aurai pas le droit de l'utiliser pour faire fermenter mon lait. En réalité, ce sera faux, mais on va expliquer après. Je préfère avancer et une fois qu'on va finir la Mishnah, on reviendra dessus. Parce qu'en fait, on aura déjà des données très importantes qui sont écrites dans la fin de la Mishnah, dans la deuxième partie de la Mishnah. Donc, au moment où on retient, donc, j'ai pris finalement du petit lait qui s'est trouvé dans un veau qui n'était pas cachère, je l'utilisais pour faire fermenter mon lait. Pour le moment, la Mishnah me dit que je n'ai pas le droit d'utiliser ce petit lait. Amaramid be'or keiva shel Israël, be'or shel keiva shel Israël, imesh benoten ta'am, arezo sura. Là, on ne parle plus que je vais faire du fromage grâce au contenu de l'estomac, mais plutôt grâce à l'estomac directement. Amaramid, celui qui va mettre dedans, il va mettre pour rester, je sais pas comment ça se traduit, le bon mot ma'amid. L'amid, c'est mettre quelque chose debout. Mais en fait, là dans l'intention, elle est de nous dire, si tu vas faire entrer ton lait dans le or keva shel nevela, or shel keva shel kshera, dans la peau, cette fois-ci, on n'est plus avec le contenu, mais on est directement avec dans la peau elle-même. Tu vas prendre ton lait, tu vas le mettre dans l'estomac de l'animal qui est cachère. Sache que tu transgresses quand même un issour. Pourquoi? Parce que dans ton lait, tu vas donner du goût de la viande. Imiyash benoten ta'am, arezo asura. S'il a de quoi donner du goût, ce sera interdit. C'est-à-dire, tu vas prendre ton lait, tu vas le mettre dans l'estomac. Cachère, l'estomac il est parfait. Seulement l'estomac, c'est de la viande. Ton lait, c'est du lait. Tu vas le mettre un dans l'autre. Et l'estomac maintenant, il va, d'une part, il va faire fermenter le lait. Ça peut aller. Le problème, c'est qu'aussi, il va diffuser son goût dedans. Donc, tu vas avoir du goût de viande qui va entrer dans du lait. Eh bien, s'il a de quoi lui donner du goût, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas 60 fois le volume, ce qui ne sera jamais le cas, je crois, eh bien, dans ce cas-là, ton lait sera, ton fromage sera interdit à la consommation parce qu'il aura absorbé du goût de viande. Ok ? Le barthénoir allonge beaucoup. Je pense que je ne vais pas rentrer dedans pour le moment, en tout cas. Éventuellement, on touchera un petit mot à la fin, mais pas tout de suite. On passe maintenant à un sujet beaucoup plus simple. Kshera, sheyankar mina treifa, keivata asura. Un animal cachère qui a bu, qui a tiré du lait, qui a bu du lait, mina treifa, qui a tété du lait, mina treifa d'un animal qui était taref, qui était impropre à la consommation, eh bien, keivata asura, le contenu de son estomac sera interdit à la consommation. À la différence de trefa chez Yanka Minakshera, si on a un animal impropre à la consommation, qui a bu, qui a tété du lait, qui est d'un animal qui était cachère, eh bien, kevata muteret, eh bien, le contenu de son estomac sera cachère. Pourquoi? Mipene shekanus bemeeha. Car le lait qui se trouve dedans, hein, il est simplement, géographiquement, il se trouve dans ses tripes. Mais il ne fait pas partie intégrante de l'animal. Notion très très simple. Imaginez, prenez un animal, même du chazir, du cochon, qui a bu du lait de vache. Le lait, quand il se retrouve dans son estomac, c'est pas du cochon, c'est du lait de vache caillé, qui a pris de l'acidité, certes, mais en tout cas, il n'est pas devenu du lait de vache. D'accord? C'est pas parce qu'il y a un chazir qui va mettre sa patte dans mon lait, que maintenant mon lait il est devenu assourd, s'il n'y a pas eu de goût qui a été absorbé. Et bien là, c'est le même principe. Certes, ça a caillé dans son estomac grâce à l'acidité, mais l'acidité, c'est pas du chazir. Le chazir, c'est la viande de chazir. D'accord? Selon ce principe, s'il y a un goy qui va égorger, une fois qu'il y a le lait, un cochon même, j'aime pas dire ce mot, je sais pas, j'arrive pas, un chien, d'accord? On va prendre un chien qui a bu du lait d'une vache. Il a bu du lait de vache, ça a caillé dans son estomac. Un goy qui va l'égorger, le chien, il avait faim, il voulait manger, donc il a tué son chien pour le manger. Il l'ouvre et dans l'estomac, il va trouver du lait. C'est quoi ce lait? C'est du lait de vache, kshera, c'était ma vache à moi. Eh bien, la Mishnah enseigne, j'ai le droit d'utiliser ce petit lait pour faire cailler mon lait. Pour fabriquer mon fromage ailleurs. Pourquoi? Parce que ce lait qui est dedans,
C'est pas du lait de chien, c'est du lait de vache. Que concrètement, au lieu de le mettre au frigo, eh bien, il est entré dans la poche du chien, dans la poche interne du chien qui est son estomac. Mais ce n'est pas une partie intégrante du chien, donc c'est permis à la consommation. À la différence, par contre, du contraire, si toutefois on va avoir une vache qui va boire, ou bien un veau qui va boire du lait de chienne, et après je vais égorger ma vache, et je vais trouver dans son estomac du lait caillé, j'aurai pas le droit d'utiliser ce lait. Pourquoi? Parce que ce lait, c'est pas du lait cachère, c'est du lait de chienne. Parce que je suis pas, j'ai le droit de manger mon veau, j'ai le droit de manger tout ce qu'il y a dans mon veau, mais pas ce qui n'est pas de mon veau. D'accord? Selon le même principe, c'est le même principe dans tout en fait. Si vous avez à avoir un animal cachère qui a mangé quelque chose de pas cachère, vous allez le tuer, mais vous allez devoir ressortir ce qui se trouve dedans. Comme à Pessah, c'est le même principe aussi, avec les volailles ou les poissons aussi. C'est pour ça qu'il y en a qui sont maquipédibles de ne pas manger des poissons achetés pendant Pessah et tout ça. Parce qu'il va se retrouver avec des graines qui sont chametz dans les tripes. Et c'est assourd, c'est encore un statut de graines de chametz. D'accord? Donc en fait, l'essentiel de notre Mishnah, il se trouve déjà à la fin. Et de là, justement, on va revenir un petit peu en arrière, on va refaire un petit peu d'ordre. C'est-à-dire, finalement, il s'avère que ce qui se trouve à Baminat, le petit lait qui va se trouver dans l'estomac, si l'origine du petit lait, il est cachère, eh bien, ce petit lait sera cachère, même si l'animal, il n'est pas cachère. Et inversement, si l'animal, il est cachère, mais que le petit lait vient d'une source pas cachère, eh bien, le petit lait sera pas cachère. Ok? Selon ce principe, maintenant, ça va nous changer en fait ce qui est écrit dans la Mishnah. Au début de la Mishnah, il y a marqué le contraire exactement. Il y a marqué que si on va prendre le petit lait qui se trouve dans un animal égorgé par un goy, qui est donc une Nevela, eh bien, la Mishnah enseignait qu'il était assourd. Le Bartonnerie nous enseigne qu'en réalité, ça va être, c'est repoussé, c'est faux. Pour la Halakha, on retient que c'est permis. Il y a une chose qui est assourde par contre, c'est la suite de la Mishnah, c'est que si on va mettre le lait dans l'estomac directement, dans la peau de l'estomac, dans la chair quoi, de l'estomac, alors là, il peut y avoir un problème si toutefois la viande de l'estomac donc va donner son goût. Pas simplement va faire cailler le lait. Si ça va juste faire cailler le lait, ce n'est pas un problème. Mais si ça va donner le goût de viande à l'intérieur, alors là, ce sera interdit. On a dit l'essentiel de la Mishnah, il y a le Bartenora, comme vous pouvez voir, la longueur du Bartenora, il va entrer dans deux problèmes, mais je préfère pas rallonger, je pense qu'on en a dit assez à Baruch HaShem pour comprendre la Mishnah, on l'a très bien expliqué, on s'en est très bien sorti Baruch HaShem. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, Salam.